Non, pas un sentiment de revanche. Il faut d'abord penser à nous, à notre club, à notre président. Laisser qu'est-ce qui parle les autres, on le laisse pour les autres. Comme j'ai dit, c'est sur le terrain qu'on va répondre. Qui va vers un et un pour l'autre. Comment ils s'entendent sur le terrain, c'est vraiment incroyable. Au premier match déjà, ils se voyaient, ils se connaissaient. Et je pense qu'il manque encore un peu d'automatisme à apprendre. Juste pour se connaître avec le regard, ça va faire quelques temps pour prendre tout ça. Mais c'est déjà très bien et j'espère qu'ils vont se connaître encore mieux et pour encore améliorer sa performance. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à s'améliorer. On ne peut pas penser qu'on a déjà accompli notre haut niveau. Il y a toujours quelque chose à apprendre, à voir qu'est-ce que le coach peut nous apporter, qu'est-ce que le coach peut nous passer pour encore s'améliorer. Aussi s'adapter à chaque match avec notre adversaire. Bon, je pense voilà, c'est pendant la saison qu'on va arriver à notre meilleur niveau. C'est pas encore là. Et ça nous manque encore un peu des automatismes avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Adaptation avec la philosophie de coach, elle est déjà très bonne par rapport à l'an dernier. Et bon, voilà, je pense que nous, on va encore s'améliorer. On a déjà fait un très bon début de saison, mais on a des choses à améliorer. C'est vrai. Par rapport aussi au dernier match qu'on a fait, notre milieu de terrain, il est vraiment très costaud, très fort. À la récupération du ballon, et à la sortie de jeu aussi, et le match qu'on va faire Adrien, le match qu'on va faire Thiago Motta, Verratti, et même à Metz, quand on a joué seulement avec deux milieux de terrain, on a été aussi très costaud. Comme j'ai dit, on a un bel effectif, et c'est au coach de bien s'amuser avec les formations, avec les joueurs qu'il va mettre en place et chercher la mieux formation pour l'équipe. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Le coach, il n'a pas dit encore à nous comment ça va être la formation. Comme j'ai dit la question avant, je pense qu'il va penser à match après match par rapport à les adversaires. Comment c'est mieux de jouer. Je pense qu'il va bien s'amuser avec les formations parce que tu en as plein des bons joueurs, les joueurs des hauts niveaux, les joueurs des sélections. Voilà, il peut faire tout ce qu'il veut et l'équipe va bien marcher.